בסייעתא דשמיא, בשם השם נעשה ונצליח, ובעזרת הבורא יתברך, מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את תורתו תורת אמת, לשם שמיים כדרכי אבותינו ונביאינו הקדושים עליהם השלום. עם כל הכוונות הטהורות של חכמינו, זכרם לברכה, וברוך אתה אדוני למדיני חוקיך, וברשותו נתחיל. שלום לכם, נוקוס חוטחוף פור, פרשת שמות, סלון לפניני התורה, דוריו הדד. דונק, j'aimerais que ce divrei Torah, ce shiur soit pour l'élévation de l'âme, les Yunishmat, toutes les victimes du 7 octobre, ainsi que pour la refouachema de tous les blessés, juifs comme non-juifs, innocents, qui sont depuis le début du conflit, et le Mashiach très vite, on espère très bientôt, très 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 vite, avec... avec le moins de souffrance possible. Amen, Gineratson. Donc, le passou qui dit Vayeler ish mi bet lewi, vayikar et bat lewi. Donc, il y avait un homme qui était de la famille de Lewi, donc Lévi, hein, mais Lewi, et qui avait épousé une fille de Lewi. Et en fait, donc, on nous dit, Rashi, il explique qu'en fait, c'était Yocheved. Qui était en fait l'épouse avec laquelle s'était séparée à cause du décret de Pharaon. Et après, il s'est remis avec et qu'elle a eu un regain de jeunesse, cette femme qui alors avait 130 ans. Et elle a engendré du coup Aaron et Moshe à l'âge de 130 ans. Oui. Ce commentaire soulève donc une interrogation parce qu'on se demande alors pourquoi la Torah elle évoque-t-elle un événement qui est pourtant surnaturel, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Et pourquoi, alors que ça décrit la mise au monde d'Yitzhak, dont la mère était âgée de seulement 90 ans, comme étant le fruit d'un miracle exceptionnel. Ouais, hein, 130 ans, la Torah nous glisse ça comme une lettre à la poste. 90 ans pour la naissance de Yitzhak, ça, Sarah et Menou, elle est à Shalom, bah, ça, là, ils ont fait un miracle, c'est l'enfant du miracle, etc. Alors le Maggid du Douvenot, à ça, il explique, il donne une parabole. Un jour, il y avait deux mendiants qui se rencontrèrent en chemin, qui discutent d'une certaine ville où ils avaient fait la manche là-bas. Il y en a un qui fait l'éloge de ses habitants, qu'il décrit comme des gens tout à fait généreux, tandis que le second, il... qui n'a pas réussi à obtenir ne serait-ce qu'un centime, se plaint de leur avarice. Finalement, il s'avère que le premier mendiant avait visité cette ville pendant la fête de Pourim. Un jour où tous ont le devoir de distribuer l'aumône aux pauvres. Et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que sa collecte ait été si réussie. En revanche, son second avait eu la malchance de passer par cette même ville durant une journée d'hiver glacial et n'avait donc rien ramassé. Et le Maggid de Douvenot, Zatzal, il conclut, il nous dit « En Égypte, où le peuple juif connut une fertilité exceptionnelle, puisque les femmes donnaient naissance à des sextuplés, donc six gosses d'un coup, en parfaite santé à chaque accouchement, il n'y avait rien de bien étonnant à ce que Yocheved mit au monde un fils à l'âge de 130 ans. En revanche, à l'époque de Avraham, Avinu et la Bachalom, le monde était régi par les lois de la nature et la naissance d'Israël d'une mère âgée de 90 ans, ça relevait du jamais vu. » Ensuite, le prochain passage qui dit « Vatere et ateva vetor asouf vatishlar et amata vatikachea. » Elle aperçut donc le berceau parmi les roseaux et envoya sa servante, Amata, qui alla le prendre. On parle de la fille de Pharaon, la princesse d'Égypte. Rashi, donc, il cite un midrash sur lequel la main de Batia, donc la fille de Pharaon, s'est allongée de plusieurs coudées. Donc sa main, elle a fait l'élastique comme dans les 4 fantastiques. Et ça lui a permis d'attraper le berceau. Ça, c'est ce que dit le midrash texto rapporté par Rashi. Et à ce propos, Rabbi Yitzhak de Vorki Zatzal demande. La fille de Pharaon ignorait qu'elle aurait droit à un tel miracle et que sa main s'allongerait démesurément. Dans ce cas, pourquoi prit-elle la peine de tendre vers un objet qui lui était pourtant inaccessible au regard des lois de la nature? Et de répondre donc que la conduite de cette femme renferme une leçon de morale édifiante, applicable en tout lieu et en toute heure. Quand un appel au secours arrive aux oreilles d'un homme, celui-ci ne doit pas rester les bras croisés à se demander si l'effort qu'il lui demandait en vaut la peine, ni chercher à savoir si son intervention est envisageable et sera couronnée de succès. Au contraire, il doit d'emblée fournir sa part de travail personnel et tendre sa main vers la personne en détresse. Et s'il agit avec un cœur pur
désintéressé, il méritera que le saint béni soit-il lui vienne en aide et lui accorde un secours surnaturel selon par parole de la Torah. Donc le récit suivant illustre bien ce... Il y a un récit ici qui illustre aussi ce principe. Il y a de nombreux rabbins et dirigeants de communautés qui s'étaient rassemblés dans la ville de Rav Meir Shapira. Zatzal, dirigeant de la Yeshiva Chachmé Lublin, pour s'entretenir d'une opération de sauvetage importante concernant un grand nombre de juifs. La situation semblait si désespérée que bon nombre de responsables étaient sur le point de baisser les bras, arguant qu'un tel projet se situait au-delà de leurs maigres forces. En entendant cela, Rav Meir Shapira, Zatzal intervint d'une voix empreinte d'émotion. Nos sages nous ont enseigné que lorsque la fille de Pharaon a tendu la main pour sauver Moshe à la Shalom, son bras s'est allongé miraculeusement et elle a pu atteindre le berceau. Or, il y a lieu de s'étonner, pourquoi a-t-elle pris la peine de tendre la main vers le berceau alors que celui-ci se trouvait hors de portée? Et Rav Meir Shapira Zatzal de conclure, cet épisode vient nous enseigner que lorsque l'homme fait face à un quelconque défi, il doit s'armer de foi et de confiance en Dieu et aspirer de tout cœur à le relever. Et même si le but lui semble impossible à atteindre d'après les lois de la nature, il ne doit pas baisser les bras ni se réfugier dans l'inaction. Nous aussi, mes chers frères, nous allons nous dévouer corps et âme à cette mission et avec l'aide de Dieu, nous serons couronnés de succès. Torah ta paracha. C'est intéressant parce que, petit détail un petit important qu'on a tendance à pas souligner. Là, on a un moussard qu'on apprend d'une Goya, qui plus est, d'une Égyptienne, qui plus est, de la fille de Pharaon. Non, je dis ça, je dis rien. Va tomer à Choto, elle bat paro. Aélé avec Arati, Lach, Isha, Mineket, Min, et Aivriot, Vetenik, Lach, et à Yaled. Donc la sœur, donc Myriam, alias Shalom, la sœur donc, de Moshe, alias Shalom, elle dit à la fille de Pharaon, du coup, qui avait suivi le berceau, faut-il t'aller quérir une nourrice parmi les femmes hébreues qui t'allaitera cet enfant? Le Talmud enseigne que Batia, la fille de Pharaon, amena Moshe chez toutes les nourrices égyptiennes afin qu'elle l'allaite. Mais le futur dirigeant d'Israël refusa de se laisser nourrir par aucune d'entre elles. C'est selon Sota, page 12. Le saint Rabbi Chaim de Kosov, Zatzal, racontait à ce sujet une histoire édifiante. Une femme sans enfant se rendit auprès du Baal Shem Tov, Zatzal, et le supplia en sanglotant de lui accorder sa bénédiction. Le saint homme lui répondit que cette année même, elle mettrait au monde un garçon. Rassérénée, la femme rentra chez elle, tomba enceinte et 9 mois plus tard donna naissance à un petit garçon doté d'une beauté inégalée. 2 ans plus tard, lorsque le moment de sevrer l'enfant arriva, la mère comblée voyagea de nouveau chez le Baal Shem Tov pour qu'il le bénisse. Quand elle arriva sur place, le Baal Shem Tov Zatzal ordonna son bedeau de prendre l'enfant des mains de la femme et de le lui tendre. Il prit le bambin dans ses bras, l'embrassa et l'enlaça, puis ordonna au bedeau de le rendre à sa mère. Après cela, la femme rentra chez elle et l'enfant décéda. Au comble de la douleur, la mère endeuillée se rendit de nouveau chez le Baal Shem Tov Zatzal et d'une voix hystérique, elle s'écria « Mon maître a tué l'enfant !» Le Baal Shem Tov Zatzal répondit « Sèche tes larmes et écoute bien l'histoire que je vais te raconter. » Un roi qui n'avait pas d'héritier demanda un jour à un conseiller « Toi qui me donnes de judicieux conseils sur toutes les affaires de mon règne et même les tactiques de guerre, peut-être saurais-tu m'indiquer la marche à suivre pour que je connaisse la joie d'avoir un enfant qui me succédera. » « Personne ne pourra vous donner un tel conseil hormis les juifs, » répliqua le conseiller. « Si les juifs parviennent à m'aider, je les exonérerai de tous les impôts et de toutes les taxes. » Leur faire miroiter une telle promesse ne te sera d'aucune utilité. Voici mon conseil. Décrète sur tous les juifs de ton royaume de prier à Dieu pour qu'il t'accorde un fils cette année. Et sinon, il ne restera plus un seul juif dans le royaume. Suivant le plan de son conseiller, le roi promulgua un décret sur tous les juifs du royaume, stipulant que si dans l'année à venir, il ne lui naîtrait pas de fils,
ils les chasseraient du plus jeune au plus vieux. Alarmés par cet édit, les Juifs instituèrent des jeûnes, récitèrent des psaumes et supplièrent le Saint béni soit-il de les sauver de leur malheur. Leur plainte monta au ciel et une âme sainte qui avait entendu le cri des enfants se présenta devant le trône céleste avec la requête suivante. « Maître du monde, je suis prêt à descendre dans le monde inférieur pour servir de fils au roi afin de sauver le peuple d'Israël. » Et c'est ce qui se passa. Cette même année, la reine mit au monde un garçon et pour les Juifs, ce fut lumière, joie et allégresse. Quand le prince fut sevré, on commença à se soucier de son instruction. Très vite, l'enfant se distingua par sa vivacité d'esprit et tout ce qu'on lui enseignait, il le retenait dès la première fois. Le prince grandit en sagesse et en érudition. Un jour, il dit à ses parents, « Je n'ai retiré aucun plaisir de toute l'instruction que vous m'avez donnée jusqu'à ce jour. À présent, je souhaite faire des études qui me plairont. Si l'on est ainsi, répondit le roi, je vais demander au grand curé de se charger de ton éducation et je suis certain que ce qu'il t'enseignera trouvera grâce à tes yeux. » Le souverain fit appeler le curé et lui ordonna d'instruire son fils unique. « Je me soumets à l'ordre du roi, répondit ce dernier, mais j'ai une requête à vous demander. Chaque jour, je m'isole durant 2 heures, durant lesquelles je monte au ciel. Or, quiconque me dérange pendant ce moment met sa vie en danger. Voilà pourquoi je vous conjure au roi d'interdire à votre fils d'entrer dans la pièce où je me trouve durant ces 2 heures. » Le roi donna sa parole et le curé entama l'éducation religieuse du prince. Il suffit de quelques jours pour que le prince, qui était doté d'une intelligence prodigieuse, maîtrise à la perfection tous les enseignements de l'homme d'église. Un jour, le jeune prodige se dit en son fort intérieur, « Pourquoi ne puis-je pas voir ce que mon maître fait durant ces 2 heures où il s'enferme à double tour ?» Sans plus attendre, il se procura le double des clés de la pièce interdite, ouvrit la porte durant les 2 heures d'isolement du curé et le trouva enveloppé dans un talit de front orné de téphiline et plongé dans un volume du Talmud. En apercevant l'intrus, le curé s'évanouit de peur et le prince lui promit de ne révéler à personne qu'il était en réalité juif. Rassuré, le prêtre déclara « À présent, je vais commencer à t'enseigner le Talmud car son étude est plus douce que le miel et le sucre des rayons. » C'est ce qu'il fit. Le prince goûta à l'étude de la Torah et constata que celle-ci confortait son âme. Un jour, il demanda à son mentor « Pourquoi trompez-vous le monde quant à votre véritable entité ?» La majeure partie de ma vie s'est déjà écoulée et je suis contraint de continuer à vivre ainsi pour le restant de mes jours. Moi aussi je veux devenir juif, lui dit le prince. Or comment pourrais-je me convertir si mon père ne peut se passer de ma présence ne serait-ce qu'un seul jour? Voici ce que tu diras à ton père. Père, tu as voulu avoir un fils afin qu'il puisse hériter de ton trône. Or je n'ai jamais eu l'occasion de contempler l'étendue de ton royaume. À présent je souhaite visiter le pays et m'entretenir avec tes ministres afin de me préparer au rôle qui m'attend. Mais puisque nous sommes tellement attachés et que nous ne supporterons pas d'être éloignés l'un de l'autre, même pour un court instant, je souhaite me préparer à cette séparation en te quittant pendant 1 mois et ensuite seulement j'entamerai ce grand périple. Le prince suivit les conseils du curé et sa proposition plut au roi. Après 1 mois de séparation, il partit à la découverte du royaume de son père. Arrivé aux abords d'un petit village, le prince ordonna à son cocher de rentrer au palais sous prétexte qu'il devait s'y attarder durant de longs mois. Aussitôt, le cocher parti, le prince traversa la frontière du royaume et eut domicile dans un pays étranger. Après cela, il s'installa dans une autre ville, se rendit dans la maison d'études et, durant toute la journée, il se plongea dans l'étude de la Torah. S'étant muni d'une grosse somme d'argent à son départ du palais, il put assurer sa subsistance. Il vécut ainsi durant quelques années, puis quitta ce monde. À son arrivée dans le monde futur, les anges accusateurs ne trouvèrent pas la moindre charge à lui imputer. Après tout, qui avait-il à redire sur une âme aussi sainte qui s'était sacrifiée pour le salut du peuple juif, pour ensuite renoncer à la couronne royale afin de se convertir? Malgré cela, un accusateur se leva et fit remarquer que durant 2 ans, il avait été le lait d'une femme non juive. Le tribunal céleste décréta alors qu'il était contraint de descendre de nouveau sur terre pour téter durant 2 années le lait d'une Israélite. Et le Baal Shem Tov essaie de conclure à l'adresse de la femme « Pourquoi pleurer si c'est toi qui as eu le mérite d'allaiter une âme aussi sainte durant 2 ans ?» Eh ben c'est fort ça, oh là là. C'est violent quand même parce que c'est vrai que là, bon, c'est une bonne morale et ça vient rassurer qu'en fait voilà, c'est connu que quand les enfants ils meurent prématurément ou que voilà les morts-nés ou les bébés qui meurent très tôt durant les prochains mois après la naissance, c'est en général des âmes très 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 élevées qui n'avaient pas grand chose à réparer.
Mais bon, c'est vrai que pour une femme qui attendait un gosse qu'il n'a pas eu et qu'au final elle l'a eu, bah, ce genre d'excuse, même si ça vient du Baal Shem Tov, bon, ça fait plaisir, mais ça fait pas plaisir en fait. Mais bon, en tout cas, c'est beau. Parce que c'est quelque part, c'est le Hémet que qu'en irait. Que c'était le Gilgoul d'une âme extraordinaire et c'est pour ça. Mais je pense que toute femme, si j'espère que si. J'espère que. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas, mais s'il y a une femme qui malheureusement a connu ça, si elle peut dire dans les commentaires si ce genre d'histoire ça la réconforte ou si au contraire ça lui est indifférente, ça ne fait rien ou au contraire ça la met en pétard. Parce que bon voilà, c'est de belles histoires, mais on n'est jamais à la place de la mère qui a. Surtout que c'est pas une mère qui a l'habitude, qui a 10 enfants et voilà, elle a fait. Il y a un enfant qui meurt prématurément sur les 10. C'est déjà ça, c'est douloureux, mais alors là, on parle d'une femme qui attendait un enfant depuis longtemps et quand elle a un enfant, hein, et il n'est plus là. Hein. Hachem Lama, Lamazé. Mon Dieu, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable? Le Midrash enseigne que c'est pour avoir proféré ces paroles rebelles que Moshe alav shalom. Moshe, hein, je dis Moshe parce que les Yéménites, ils disent Moshe. Je ne suis pas Yéménite, mais c'est la façon un peu plus correcte de le dire, mais. Moshe, du coup, pour pas. Alav Shalom perdit le droit d'entrer en terre d'Israël. Or, ailleurs, s'étonne le Maguen de Douvno, Zatzal, le Midrash écrit explicitement que la raison pour laquelle Moshe, Alav Shalom, n'est pas entré en terre d'Israël, c'est pour qu'à l'époque de la résurrection des morts, il puisse ramener tous ceux qui étaient morts pendant les 40 années d'errance à travers le désert. Donc, le Maguide de Douvno, Zatzal, propose d'éclaircir cette difficulté au moyen de la parabole suivante. Deux mendiants, l'un vieux et l'autre jeune, s'associèrent pour faire la manche. Un jour qu'ils arrivèrent dans une ville, ils se disputèrent, le jeune mendiant se fit molester par son compagnon. Il se rendit au tribunal local et porta plainte pour son associé pour l'avoir maltraité de la sorte. Quand l'accusé fut appelé à la barre, il déclara: « Je ne vois pas pourquoi il me traîne en justice, je suis pourtant son père, et si je l'ai frappé, c'est pour le remettre sur le droit chemin. » Mensonge, cria le jeune homme à l'adresse des juges. Ce vieillard n'a aucun lien de parenté avec moi. Ce n'est que dernièrement que nous nous sommes rencontrés et nous sommes associés pour faire la manche ensemble. Après avoir écouté les revendications des deux parties, les juges donnèrent leur verdict. Le vieillard devra dédommager le jeune homme en lui offrant de beaux vêtements. Constatant la stupéfaction du coupable, les magistrats expliquèrent le motif de leur verdict au vieil homme. De deux choses l'une. Si tu n'as aucun lien de parenté avec cet homme, tu es forcé de le dédommager pour l'humiliation que tu lui as causée. Si par contre tu es effectivement son père, il t'incombe de veiller à lui offrir des vêtements dignes de ce nom. En vertu du commandement, ne te dérobe pas à ceux qui sont comme ta chair. Et le Maguide de Douvno Zatzal conclut: Le Saint béni soit-il avait décrété qu'un des justes du peuple juif serait enterré auprès des morts du désert afin de leur donner le droit à la résurrection des morts par son mérite. Mais il n'avait pas précisé que ce juste serait Moshe Rabbeinu Alav Shalom. À présent, que celui-ci s'est adressé à Dieu de façon quelque peu brutale, Dieu lui a dit: Il ne fait aucun doute à mes yeux que ton comportement est le fruit de ton amour authentique pour le peuple d'Israël. Si l'on est ainsi, ton attachement t'oblige à endosser le rôle du juste qui sera enseveli dans le désert auprès de ses morts et par le mérite duquel ces derniers auront le droit à la résurrection, à Triat Hametshim. Voilà. Donc on a fini pour Parashat Shemot selon les Pnimiyat Torah du Rav Haddad et édition Torah Box. On a dit donc que ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de toutes les victimes innocentes déjà du 7 octobre, mais toutes les victimes innocentes même dans la guerre, juifs comme non-juifs. Et pour la Refoua Shlema de toutes les de, bah, de tous les blessés du 7 octobre et de tous les blessés du conflit juif comme non juif voilà qui sont innocents et pâtissent de cette guerre vraiment et on est attristé de voir à quel point nos des voilà tout Israël il n'y a pas une seule famille ici quelqu'un qui connaît pas un ami un cousin un oncle de la famille ou des amis qui sont touchés, qui ont perdu un fils, qui ont perdu un cousin, qui ont perdu un oncle, qui ont perdu un neveu, un frère, etc. Enfin, c'est terrible. Et bien sûr, on a de la peine
pour les bébés, les enfants innocents, les handicapés, les femmes innocentes aussi, etc. Toute personne innocente qui n'a jamais eu envie de tuer du juif ou qui n'a jamais essayé de tuer du juif. Parce que d'ailleurs, le Rav Binyamin Vatenberg Shalita, un élève du Rav Shach Zatzal, a été clair dans une de ses tchouvas sur tchouvot.com qu'il fallait faire la distinction. Et quand bien même un Palestinien, un Gazaoui, déteste les juifs à la base, ça ne fait pas de lui un terroriste. Il faut différencier le terroriste et quelqu'un qui nous aime pas, qui aime pas les juifs. Et alors, il y en a plein de gens qui aiment pas les juifs. C'est pas forcément des terroristes qui méritent de mourir sous des bombardements ou tirés comme des lapins par des soldats qui ont la gâchette facile. Donc, on pense notamment aux otages qui ont été tués de manière complètement aberrante et inexcusable à Gaza, parce que par les soldats israéliens. On pense à ces femmes, des otages femmes qui ont été maltraitées dans tous les sens du terme, j'ai pas envie de dire le mot, par des sales porcs terroristes, même des porcs ils volent mieux qu'eux. Voilà. Et on pense du coup, on espère que le choc psychologique doit être terrible, on espère qu'elles vont se remettre. Donc une réfoua, nefshit, et physite aussi, mais nefshit. Et voilà, vraiment, c'est terrible. En ce moment, il se passe des choses terribles. On pense à tous les juifs de France qui subissent de l'antisémitisme en France, mais même en Europe, en Allemagne, en Belgique. On pense à notre peuple. On pense. Et voilà, on pense d'abord à notre peuple, aux victimes de notre peuple. On pense encore une fois aussi aux non-juifs qui peuvent subir aussi des injustices. Pas forcément à Gaza, mais ailleurs aussi. Mais on pense notamment, voilà, comme j'ai dit, il y a des guerres il y a des guerres en Afrique qui sont des trucs terribles qui se passent, qu'on n'en parle pas beaucoup, et qui n'ont rien à voir avec Israël et Palestine, je sais pas quoi. C'est juste des êtres humains qui souffrent innocents à cause de la corruption des dirigeants et de toutes sortes de choses. On pense à l'Ukraine, on pense à l'Ukraine, aux citoyens, aux civils ukrainiens, aux réfugiés. Et voilà, on pense à toutes les victimes dans le monde, les Ouïghours en Chine, qui depuis, alors ça date, c'est pas nouveau, mais voilà, on pense à tout le monde. Et j'espère vraiment que ces paroles de Torah vont vraiment servir à rapprocher le Mashiach, qu'on ait le mérite par des paroles de Torah que je prononce, que vous prononcez, que vous écoutez, par tous les cours qu'il y a. On espère qu'on fera très vite venir le Mashiach pour qu'il y ait enfin le règne de la vérité, du Emet, de la paix, de la justice, du respect, fin de la corruption, du mensonge et de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie. Fini, on en finit, qu'on en finisse avec toutes ces débilités, ces choses inhumaines, en fait, ces choses terribles qui se passent dans le monde, pour qu'enfin il y ait le règne de Dieu, de la vérité, qu'on vive tous ensemble, toute l'humanité, en paix, en servant l'unique, béni soit-il. ברוך ה' עולם, אמן ואמן.